L'autre jour, un truc terrible est arrivé à l'école. C'est Berk, mon canard, qui me l'a raconté. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai oublié Berk dans la caisse à doudou. Tu le retrouveras demain, il ne peut rien lui arriver, m'ont dit mes parents le soir pour me rassurer. La nuit est tombée sur l'école. Un croco-sac à dos avait été oublié lui aussi. On va pas rester là, Croc. Allez, viens, on va se balader, a proposé Berk. Ils ont ouvert la porte de la classe. Ouh, y a quelqu'un ? A fait Berk. Croc a bredouillé. Tu crois vraiment qu'il peut y avoir quelqu'un ? Berk a voulu allumer la lampe sur le bureau de la maîtresse. Mais il a glissé et... Badaboum, bling, splouch ! Ouf, pas de mal, a dit Croc. Mais Berk, j'ai atterri dans la poubelle. Et toi, ça va ? Oui, a répondu Berk. Je suis tombée dans un truc mou. On va prendre la lampe, elle marche encore. En avançant, Croc et Berk ont alors entendu quelque chose de bizarre. Sprouitch, sprouitch, sprouitch. Croc a bégayé. Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait un bruit de grosses pattes qui écrabouillent, a dit Berk. Berk a chuchoté. On dirait plutôt des ogres qui mâchouillent ou des sorcières qui bidouillent. Puis Berk a levé la tête. Oh, regarde, Croc, on dirait... Arrête, de la trouille, a fait Croc en s'agrippant au fil de la lampe. Clac ! La lumière s'est alors éteinte d'un coup. Sprouitch ! Sprouitch ! Croc a crié. Sors-nous de là, Berk ! On va être écrabouillé, mâchouillé et bidouillé ! Sprouitch ! Sprouitch ! Sprouitch ! Plus vite, le bruit accélère ! Sprouitch ! Sprouitch ! Sprouitch ! Sprouitch ! Sprouitch ! Sprouitch ! Clic ! Berk a trouvé la lumière. Mais qu'est-ce que c'est, ce truc vert ? Berk a alors regardé ses pieds. Il en a levé un, sprouitch, puis l'autre, sprouitch. On dirait qu'on a fait de la patouille, a dit Croc. Le lendemain matin, j'ai trouvé Berk avec Croc. Ils étaient pleins de peinture verte, mais heureusement, il n'y avait plus de taches dans la classe. Ils avaient passé le reste de la nuit à tout nettoyer. Enfin, presque tout. Parce qu'au moment où la maîtresse s'est assise sur sa chaise, ça a fait... Sprouitch !